Eva Darlan, Michel Duchossois, André Dussolier, Jacques François, Roland Giraud, Roger Hanin, Philippe Corsan, Gérard Lanvin, Carole Laure, Dominique Labanan, Jacqueline Maillan, Pierre Mondy, Claude Pieplu, Daniel Prévost, René Saint-Cyr, Pierre Tornade et Jean-Yann. J'ai envie de vous embrasser. Moi aussi, Pierre-André. Mais avant que j'écrase vos lèvres, puis-je vous demander si vous avez des aftes ou des écorchures sur les gencives? Mes gencives sont saines, Pierre-André. Ah. Ginger, j'ai très envie de vous. Moi aussi, Pierre-André. Mais avant de me jeter sur vous comme une bête, puis-je vous demander si vous avez eu récemment des relations sexuelles avec un partenaire de passage? Oui, Pierre-André, mais j'ai vérifié qu'il utilisait un préservatif extrêmement renforcé. Oh, parfait, parfait. Êtes-vous allé récemment chez un acupuncteur? Non, Pierre-André. Pratiquez-vous un de ces sports violents où les partenaires sont à touche-touche? Non, Pierre-André. Avez-vous voyagé récemment dans un de ces pays à haut risque, comme le Zaïre, Haïti ou les Halles? Non, Pierre-André. Avez-vous été mordu récemment par un dentiste, un policier, un critique littéraire ou un grand couturier? Non, Pierre-André. Ah, tant mieux. Vous arrive-t-il parfois de vous asseoir sur les sièges des toilettes publiques? Buvez-vous dans le verre des autres? Votre mère se droguait-elle? Non, Pierre-André. Ah, bien. Alors, Ginger, je pense que si, dès demain, vous faites faire un examen de votre sang et que le test est négatif, nous pouvons envisager de faire l'amour ensemble. C'est mon plus cher désir, Pierre-André. Bien sûr, en faisant bien attention de refaire un examen dans un an pour plus de sécurité, car il arrive que le délai d'incubation soit mal connu et les laboratoires peuvent faire des erreurs. Pierre-André, qu'est-ce qu'un an lorsqu'on s'aime? Bien sûr. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est vous qui avez demandé le service histoire avant de s'endormir? Ah, non, moi j'ai demandé le service sexe et érotisme.
C'est la même chose, monsieur. Allez, viens, mon petit loup. Il a dû faire une drôle de tête, le premier homme qui a fait caca. Oui. L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Alors, une nage de Saint-Jacques et une salade palace. Disons 1450. Disons même 500. Ensuite, une julienne de Lot et un agneau printanier. Puis-je demander à monsieur de ne pas bouger un instant? Je risquerais de faire une erreur. Monsieur a quelques petites rougeurs, là. Oui, c'est un acteur-chef qui mérite un peu. Je conseille vivement à monsieur d'en changer. Ça ferait 850. Un carré d'agneau et une lotte, 850 francs? Et encore, madame, je ferme les yeux sur le gros grain de beauté que monsieur porte sur la narine gauche. Je vous en prie, Nathalie. Monsieur est très aimable. Laisse-lui faire son métier. Merci, monsieur. Ensuite, nous avons deux vacherins. On a eu deux vacherins, oui. Alors, est-ce que je peux demander à madame de se pousser un tout petit peu? 350. Du fromage, 350 francs? Madame, avec le double menton de monsieur, madame, je ne peux pas faire moins. Oui, regarde, chérie, c'est vrai, ça. Il n'exagère pas, tu sais. Je crois qu'il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert. Mmh. Et comme vin, une bouteille de Château Pétrus. Une seule. Une. Alors, est-ce que je peux demander à monsieur de se mettre de profil? Ah oui, 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 dommage, le nez de monsieur. Ah, qu'est-ce qu'il a, mon nez? Sans cette petite excroissance, là, il serait presque droit. Ce qui nous met la bouteille de Château Pétrus à... 2000 francs. 2500, monsieur. Voilà, c'est tout, monsieur. La petite cicatrice que monsieur porte sur le menton est offerte par la maison. Ah, ça je vous remercie. Ça fait 4000 francs en tout, monsieur. Oui, ça, c'est pas donné. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il faut ce qu'il faut. Voilà. Merci. Je te l'avais dit, Marc, avec la tronche que tu as aujourd'hui, on n'aurait jamais dû aller dans un restaurant où ils font l'addition à la tête du client. C'est ça. Tu préfères peut-être qu'on aille dans un de ces boui-boui, hein? On a une chance sur deux de se faire blesser avec leur addition en coup de fusil. Papa! Nathalie... Il n'a même pas vu que j'avais une dent sur pilote. Ouais. Palace! Moi! Papa, ça c'est Palace! Appelez-moi le directeur. Entrez! Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. Je me gèle. Mettez votre doigt là. Alors, c'est de l'eau chaude, peut-être? Non, c'est du vin froid. Je vous demande pardon. Goûtez vous-même, monsieur. C'est même du Château Yquem. Et vous voudriez du Château Yquem chaud? Oh bah non, bien sûr. Autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Hey, hey. Mais où est donc passée la deuxième saucisse de Francfort? Elle est là, monsieur, juste devant mon nez. Oh, merci. Je vous en prie, monsieur. Les palaces, je les aime aussi pour ça. Les palaces, on les aime aussi pour ça. Hé, Alfred! Alfred! Hé, Pep! Alfred!
Alfred. Monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle idiotie? Paraîtrait que vous serviriez de lustre pour la réception de ce soir. Lustre, c'est un bien grand mot, monsieur le directeur. Je vais seulement me coudre des pendeloques de cristal à mes bras et tenir une bougie dans chaque main, c'est tout. Alfred! Je crains qu'on ne m'appelle, monsieur le directeur. Vous savez quand même pas vous faire suspendre. Ah si, c'est obligé, si. Les moutons sont tellement cons que leur cervelle n'a pas de goût. C'est bien simple. Maman, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Public ou privé, monsieur? Public, public. La première à droite, monsieur, là, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Monsieur, vous m'avez demandé les toilettes publiques. Je vous ai indiqué les toilettes publiques. Mais enfin, c'est grotesque. Question le goût, monsieur. Une grande partie de notre clientèle les apprécie beaucoup. Tenez, regardez. Bravo, monsieur, bravo. Contrant, il n'y a pas à dire. Ils sont quand même meilleurs en soirée qu'en matinée. Peut-être, monsieur, peut-être. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais que vous oubliez l'uniforme que je porte pour écouter l'ami. Ce soir, je le sais, vous avez décidé de réaliser le rêve de votre vie, faire du bruit après 22 heures. C'est dans ce but précis que vous êtes venu au palace avec votre batterie de casserole, un nécessaire à bricolage et votre sono toute neuve. Je ne vous approuve pas, mais je vous comprends. Au palace, le client a tous les droits. Vous pouvez faire chier le monde autant que vous le désirez toute la nuit. Je ne discute pas. Mais avez-vous bien pesé tous les risques? Bien entendu, chez nous, vous n'avez pas à redouter la fureur de vos voisins. Aucun ne vous insultera, ils sont trop bien élevés et personne ne beuglera. Ta gueule, et connard, on travaille, nous, demain. Au palace, personne ne travaille le lendemain, à part le personnel, mais lui n'a pas le droit à la parole. Alors, quel risque réel encourez-vous? Eh bien, des risques, hélas, considérables. J'en suis désolé pour vous. L'élite qui séjourne au palace dîne tard. À 22 heures, nos hôtes de marque en sont à leur premier Bloody Mary. On ne brise jamais la queue du homard avant minuit, ce qui nous met le sorbet de mangue vers 0h30. Une verveine, une chartreuse, il est 1h du matin. Un petit tour au nightclub pour se dénouer les guiboles et nouer des relations amoureuses. C'est vers 6h que notre belle clientèle regagne sa chambre. On baise environ 3/4 d'heure, ce qui produit, surtout si la comtesse Stigallini est là, une quantité de décibels bien supérieure au vôtre. Un verre de lait et tout le monde s'endort. Il est 8h du matin. Mais vous? De quoi avez-vous l'air après 10 heures de bruit dans votre chambre? 10 heures de bruit exécutées à la force du poignet dans une solitude effrayante. Qui vous aura entendu? Personne. Exténué, assourdi, abruti, désespéré, vous passerez tout simplement pour un pauvre. D'ailleurs, vos bruits sont des bruits de pauvres. Batterie de cuisine, coups de marteau, musique vulgaire.
de la diarrhée sonore. Le palace est très rigoureux sur la sélection de ses hôtes. Nous ne mélangeons jamais les torchons et les serviettes. Nous serons obligés, la mort dans l'âme, de vous virer. Et je vous garantis que vous ne trouverez pas un groom pour porter vos bagages, ni même vous ouvrir la porte. Nous n'aimons pas les pulls à sueur, ici. À bon entendeur, salut. Ça, c'est palace, palace, palace. Les toilettes publiques, elles sont toujours là ? Mais oui, monsieur, la première porte à droite. Merci, on va voir ce qu'on va voir. Moi, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de lumière. Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur, j'avais complètement oublié que nous étions lundi. Et alors ? Elles ne marchent pas, les toilettes publiques, le lundi ? Mais non, monsieur, c'est relâche. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez demandé le service SOS Argo ? Oui. Quel est le féminin de connard ? Connasse, monsieur. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Connasse ! Tu n'es qu'une pauvre connasse ! Taré, fils de pute ! Tête de bœuf ! De nœud, madame. Tête de nœud. Ah, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Tête de nœud ! Voilà, très bien. Pauvre tête de gros nœud ! Pauvre connasse ! Dans les palaces, il y a aussi de belles histoires. Pour les connaître, il vous suffit de traverser. Traverser le miroir, quelle histoire! À la fin des années 80, il y eut une véritable ruée vers l'or dans le palace. Comme beaucoup de gars dans la dèche, j'ai suivi le mouvement. Il y avait beaucoup de concurrence, mais c'était un joli filon qui pouvait nourrir un paquet de chercheurs d'or. La plupart d'ailleurs y trouvaient leur compte, il n'y avait pas à se plaindre. Là où ça donnait le plus, c'était surtout les soirs d'hiver, quand il y avait un gala ou un dîner chic. On trouvait de belles pépites. Je dis « on », je devrais dire « il ». Trouvait de belles pépites, parce que moi, je ne récoltais jamais rien. Et c'était pas faute d'essayer. Je travaillais deux fois plus que les autres, qui s'en foutaient plein les poches. J'en avais des cales aux mains à force de secouer. Mais rien, jamais rien. En tout cas, jamais d'or. C'était surtout le soir que c'était dur, quand tout le monde montrait le butin de la journée. Joe avait un pif incroyable pour dégoter les bons coins, près de la salle à manger. Il avait secoué plusieurs fois par hasard des tables de Maharaja. Une mine, c'était. Le salaud. Il n'avait même pas pu tout rapporter. Sam, le vieux Sam, était capable d'une seule secousse de faire dégringoler jusqu'aux dents en or. Un as, le vieux Sam, un as. Sans compter Bill, Jack et les autres. Moi... C'était la guigne. Je secouais que des gros industriels fauchés ou des princesses couvertes de toc. Avec l'arrivée du printemps, la saison des galas se terminait. Plus grand-chose à secouer. Les beaux jours amenaient de la swatch ou du bracelet sport. Fini, Van Cleef et Cartier. Les gars quittaient le palace les uns après les autres, à la recherche d'autres filons, plus au nord. Moi, je ne me décidais pas à partir, je m'obstinais. Je ne voulais pas quitter l'endroit sur un tel échec. J'essayais tout. En vain. J'avais vraiment la poisse. Quand soudain, un matin du mois de mai... C'est
Rends-les-moi, c'est du toc. Merci, petit. Ne sois pas triste. Je t'ai observé tout l'hiver, tu n'es pas fait pour être chercheur d'or. Sans doute, vous avez raison. Mais t'es un bon petit gars, courageux et honnête. Si tu le veux, j'ai un boulot pour toi. C'est vrai. Vous feriez ça pour moi? Oui. Ça te dirait d'être chasseur? Chasseur. Chasseur. Les bagages de madame et monsieur Larifour. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de gibier au palace. Je m'occupe surtout des bagages. Enfin, des bagages à main, s'entend. Bon, c'est pas les montagnes rocheuses ni le Tennessee. Mais la clientèle est gentille et puis ça me fait faire de la marche comme au bon vieux temps. Et puis quand même, certains soirs, j'en viens pas bredouille. C'est pas le Pérou, mais c'est quand même mieux que quand j'étais chercheur d'or. Et de loin. Tiens, celle-là, par exemple. C'était une très belle bête. Je l'ai dépecée, je l'ai salée, et ben elle m'a fait 8 jours de viande. C'est tout de même pas mal, non? Votre champagne, monsieur. Merci, mon petit. Vous êtes charmante. Merci, monsieur. Appelez-moi le directeur. Vous m'avez fait demander, monsieur. Goûtez-moi ça. Je vous prie de croire que c'est le premier palace où on me sert du champagne tiède. Ce n'est pas du champagne, monsieur. C'est l'eau de votre bain. Il est naturel qu'elle soit tiède. Mais les bulles! Savon. Ce sont des bulles de savon. Alors comme ça, dans l'hôtel le plus luxueux de la planète, vous servez l'eau du bain dans des flûtes à champagne. C'est pour votre santé, monsieur. Comment? Oui, vous avez déjà votre baignoire pleine de Château Yquem. Faudrait peut-être voir à pas trop pousser sur l'alcool, non? Oui, oui, bah oui, vous avez raison. Enfin, si vous voulez, je vous fais verser du Dom Pérignon. Non, vous avez raison. Ça ne va pas, monsieur? Si. Simplement l'impression que je me lave... À l'intérieur, vous voyez. Autre chose, monsieur? Oh, un compte toilette. Pour manger avec. Oui, je vous fais monter tout de suite, monsieur. Je l'aurai. Un jour. Je l'aurai. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Vous l'avez entendu comme moi, quelqu'un vient de parler de colibri. Le mot colibri pourrait bien venir du mot latin bacchus, qui a donné en français baquet, puis par déformation barquette, basket, limonade, et enfin colibri. Certains auteurs ont cependant, de l'étymologie du mot colibri, une interprétation diamétralement opposée. Ils pensent que si une femme n'est pas capable d'égayer et de fleurir la maison pour le retour du mari, alors elle doit être appelée feignasse, F-E-I-G-N-A-2-S-E, et non pas colibri. La controverse entre les deux écoles est cependant toujours restée très courtoise, les uns et les autres ayant même le sentiment de ne pas parler de la même chose. En toute sincérité, c'est plausible. Bonsoir. Merci, professeur Rollin.
encore, regarde, 70%. T'inquiète pas, ben, on va trouver. La cuisine, c'est par là? Oui, c'est tout droit. C'est normal que dans une cuisine, on trouve rien. Hein. Ouais, tu vois. Regarde, il monte encore, il monte encore. T'es très fort. Seulement, on sera plus fort. Dan, les chambres. Ouais, bonne idée. On va fouiller les chambres, les ascenseurs, les salons, les lingeries. Parlons d'une fille à poil. Oui, pourtant, on est à 82%. Alors, bredouille. Nom de Dieu, regarde ça à 100%. Je vous offre un verre. Non, merci, jamais pendant le service. Bon, eh ben on est battu. Je vous le rends. Merci. Ça ira pour cette fois. Merci. Mais on reviendra, hein. C'est lui, il plaît, je te jure qu'il plaît. J'arrive pas à y croire, ça. Mais si, à chaque fois qu'on s'approchait de lui, il va remettre mon père. Bon, écoute, un concierge qui fait plus fort qu'une femme à poil. J'y comprends plus rien à l'audimat, moi. Je vais demander ma mutation. Les haricots, ça fait péter. Même si tu te forces à penser à autre chose, ça fait péter. C'est fou. Pep, Alfred. Alfred. Pep, Pep. Alfred. Alfred. Pep, Pep, Pep. Alfred. Monsieur le directeur. Alfred, cette fois, ça dépasse les bornes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de roi d'Espagne qui vous aurait nommé vice-roi du palace? Je vous rassure tout de suite, monsieur le directeur, je ne porterai jamais la couronne pendant le service. Alfred! Je crois qu'on m'appelle, monsieur le directeur. Alfred, vous me promettez que jamais vous ne la... Ah, non. Non. Petit problème dans un palace. Pas de panique, voici Lady Palace. Lady Palace. Hello les amis. L'une des questions que vous vous posez le plus fréquemment quand vous séjournez dans un palace concerne l'irritant problème du chewing-gum. Vous mâchouillez souvent un vieux bout de chewing-gum sans goût, sans fraîcheur, et vous voulez vous en débarrasser. Seulement, où faut-il le coller? Sous le rebord de la table, sous votre chaise, sous le bras du fauteuil, en douce? Non, on ne fait pas les choses en douce dans un palace. On se respecte suffisamment pour agir au grand jour, sans se cacher, avec panache. Pour donc vous débarrasser de votre répugnant chewing-gum, je vous conseille la méthode officielle. Elle enchantera les gens qui vous entourent, car la clientèle palace raffole de tout ce qui est cérémonie officielle. Et qu'y a-t-il de plus officiel qu'une inauguration? Alors, sans vous cacher, en vous tenant bien droit, le front haut, vous sortez votre infâme bout de gomme de votre bouche et vous le collez sur un dossier de chaise, une colonne ou un palmier, bien en vue dans le hall. Puis, vous pincez le chewing-gum et vous l'étirez, voilà, jusqu'à une autre colonne où vous le fixez, bien entendu. Si l'opération est bien menée, vous obtenez un joli fil régulier reliant le palmier à la colonne. Regardez les mines réjouies des gens qui vous entourent. Ils savent qu'il y a de l'inauguration dans l'air. Il ne vous reste plus qu'à prendre des ciseaux. Merci Alain. À prononcer une courte allocution. Et le tour est joué. Vous vous êtes débarrassé de votre vieux chewing-gum avec la sensation d'avoir inauguré le pont de Tancarville, sans avoir les problèmes du retour à Paris avec les embouteillages sur l'autoroute de l'Ouest. La semaine prochaine, je vous parlerai du comportement à adopter lorsque l'on a la goutonnée dans un salon.
Bonsoir. Hey, hey. Douche froide. Douche humide. Venez vous laver au palace. Chacune de nos douches est équipée d'un chasseur. Fini les douches qui mouillent. Ça, c'est palace. Les palaces, on les aime aussi pour ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui est palace, palace. Voici votre note, monsieur. Merci. Dites-moi, là, sous Omar Thermidor, je vois rêve numéro 24. J'ai jamais commandé de rêve. Monsieur n'a pas commandé Amour hawaïenne ? Mais je mets de la vie. Oh, je vous prie de nous excuser, monsieur. Il s'agit d'une erreur de la comptabilité. Je fais rectifier immédiatement votre note. Amour hawaïenne, vous avez dit ? Oui, monsieur, c'est le rêve numéro 24. C'est un beau rêve ? Oh, enchanteur, monsieur. À moins que... Non, ben laissez, je vais le prendre, ça évitera les comptes. On peut me le servir tout de suite ? Mais tout à fait, monsieur. Le seul inconvénient, c'est que monsieur a rendu sa chambre. C'est pas grave, je vais le prendre ici, au comptoir, c'est possible ? Mais parfaitement, monsieur, je commande le rêve numéro 24 immédiatement. Ici, la réception. Vous voulez envoyer le rêve numéro 24, je vous prie. Merci. Je voudrais la clé de la chambre 128, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Voici votre rêve, monsieur. Ah ! Parfait. C'est joli, mais qu'est-ce que c'est ? C'est mon rêve, madame. Ah, je vous laisse. Oh, je vous en prie, ça ne me dérange pas si vous souhaitez rester. Non, non, un rêve, c'est personnel. Bon, un rêve pour deux, ça peut être amusant. C'est une expérience. Si ça vous tente. C'est-à-dire que je ne rêve jamais. Ce serait une première. Regardez, ça a l'air pas mal. Allez, je reste. Bravo. T'es courageux. Pas tellement. Si, un premier rêve, c'est jamais très rassurant. Mais vous, vous l'êtes tellement. Ah bon ? C'est la première fois qu'on me dit ça. Même si vous m'avez menti, qu'en réalité, vous avez commandé un cauchemar, je resterai avec vous. C'est gentil. Je me sens si bien depuis que je suis près de vous. Moi aussi. Ah, je crois que le rêve va commencer. Lionel. Comment savez-vous mon nom ? Il est inscrit sur l'étiquette de votre bagage. Vous êtes si belle. Ah, Lionel, j'ai envie de vous embrasser. Le rêve de monsieur est avancé. Alfred, voyons. Vous voyez bien que monsieur est occupé. Non, non. Allez-y, commencez. Bien, monsieur. Je n'aime pas tellement cette musique. Moi non plus. Viens. Tu ne peux pas partir au milieu. J'ai envie de toi. Sylvie. Comment savez-vous mon nom ? Je t'attends depuis si longtemps. T'as vu ? Il regarde même pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Bah oui. C'est fini ? Oui, monsieur. Tu vois, ça n'a pas été si long. Sylvie ? Mais... où est la jeune femme qui était avec moi ? Elle fait partie du rêve, monsieur. C'est pas possible. Si, monsieur.
C'est ce qu'on va voir. Vous allez me recommander ce rêve et tout de suite. Hélas, monsieur, il a été demandé pendant que monsieur rêvait. On le livre au client du 102. Si vous me parliez de votre guerre. Laquelle, monsieur? Celle de 14, celle de 40, la guerre de 100 ans, la guerre de Prusse? Mais celle que vous voulez, mon bon Alfred. Les Boches étaient devant nous. À côté de moi, mon vieux camarade, le commandant du Roc, me dit « Alfred, nom de Dieu, c'est la Bérézina. Les Boches étaient devant nous. Moi, je sors de la tranchée, la mitraille est au point. Quand tout d'un coup, nom de Dieu, mais... Alfred, Alfred! Voilà, voilà! C'est un héros, ce type-là! Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Hop, 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 hop. Bien, monsieur. Vous l'avez certainement remarqué, une des chambres du palace porte le numéro 27. Attention, le nombre 27 n'est pas un nombre tout à fait comme les autres. Certes, il est supérieur à tous les nombres de 0 à 26, mais, car il y a un mais, il est inférieur à tous les autres. Pourtant, ce qu'on a appelé la malédiction du 27 peut aisément être conjuré. Il suffit pour cela de multiplier 27 par 116, qui est le point d'ébullition de la naphtaline, et d'élever ce premier résultat à la puissance 17, qui est le prix en dinars d'un lot de 11 jolies boules de naphtaline. On obtient alors le nombre inscrit sur ce carton, qui laisse loin derrière lui un joli paquet de nombres nettement inférieurs. Pour peu que personne ne vous ait vu faire les opérations susmentionnées, un rideau de douche autour de votre table de travail, par exemple, fera très bien l'affaire. Tout le monde croira que la performance de ce nombre est celle du 27. Et la malédiction n'a plus qu'à se retirer sous les huées d'un peuple en furie, rassemblé à la hâte sur la grande place de Strasbourg, mêlé en une foule compacte et bigarrée, au sein de laquelle quelques opportunistes profitant de l'aubaine tirent les poils des fesses des femmes mariées. Bonsoir. Un petit peu plus, finalement. Bien, monsieur. Merci, professeur Rollin. Piti-pois, papa, piti-pois. Est-ce que ça, c'est palace? Oh non, ce n'est pas palace. Cher directeur, bonjour, bonjour. Mes hommages, madame de Blantillet. Vous êtes radieuse. Non, c'est vrai. J'ai du bonheur sous les pieds ce matin. Je me sens pétillée. J'ai envie de rire, de danser, de... Votre mari est décédé? Mais beaucoup mieux que ça, monsieur le directeur. Vous n'allez pas me croire. Mais ce matin, dans ma salle de bain, en me regardant dans mon miroir... J'ai eu l'impression d'avoir 20 ans. Mais je vous crois tout à fait. Ah non, mais vraiment 20 ans. Mais c'est miraculeux, non? Miraculeux, c'est des années de recherche, ça. De recherche? Je ne vous comprends pas. Suivez-moi. Alors, mademoiselle, vous suivez bien mon regard? Très bien. Le sourire plus souple. La duchesse a la bouche un peu molle. C'est ça. Puis elle fait souvent ça. Alors, elle le fait souvent, mais deux fois. Très bien. Suivant. Chambre 128, madame Flangier Lacoste, 79 ans. Ah bah oui, c'est bien. Là, c'est bien. Alors, vous suivez mon regard, mademoiselle? Très bien. La marquise a l'œil qui trépigne un petit peu, vous voyez? C'est... Oui, mais vous ne le faites pas. Ah bon? Bah non, écoutez, on enlève les rides, autant enlever les tics. Merci. Suivant. Qu'est-ce que c'est? Marquise de Fonvier-Laforge, 82 ans. Ah! Ah, la porte à tambour!
La reçue dans le mauvais sens. Oui. Ah oui, c'est elle, c'est elle. Oui, oui. Très bien, elle était beurrée comme une tartine, probablement. Sans doute, oui. Très bien. Alors, mademoiselle, impassibilité totale du visage, rien ne bouge, vous êtes toute en bois, complètement en bois. Même la gueule de bois. Très bien. C'est fini, c'est très bien. C'est terminé! Voilà. Voilà, eh bien, c'est fini pour les nouveaux arrivages en coiffeuse. Eh bien, nous allons passer au miroir surprise. Chambre 322, Madame Krugerwald. Madame Krugerwald, c'est la chaise du troisième qui a chiffé la petite soubrette hier soir? Oui, docteur. Allez, mettez-lui Germaine, ça lui fera les pieds. Germaine! Voilà, alors vous laissez tomber les épaules, vous laissez tomber le menton, vous laissez tout tomber. Vous laissez tout tomber. Ça lui fera les pieds à celle-là. Chambre 28, Madame Fougedier, 54 ans. Mais où elle en est de son régime? Elle n'a pas perdu un gramme. Il faut l'aider. Mettez-lui... Lucienne. Lucienne, mon petit. Pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Parce qu'elle va se bourrer de chocolat, c'est pas possible. Bon, remettez l'autre, alors. Catherine. Merci beaucoup. Chambre 128, le duc de Bourbon-Cadet. Le duc de Bourbon-Cadet? Oui, docteur. Vous vous comptez? Il mesure 1m57, il est chauve, et à la piscine en maillot, il ressemble à une antenne de télévision. Je sais, docteur, mais il vient de commencer un cours de gymnastique. Oui, bah il progresse vite. J'ai pensé que ça lui ferait plaisir. Oui, ça lui fera sûrement plaisir. Le slip, au-dessus du nombril, mon garçon. Chez les Bourdon Cadets, on porte le caleçon haut. C'est très bien connu, un neveu Lionel de Bourdon Cadets, il était délicieux. Lui aussi, hein. Chambre 175, monsieur Rabourdin. Il se prend toujours pour Louis XIV. Oui, surtout le matin. Ouais. Et enfin, le duc et la duchesse de la Rochefoucauld. Je ne comprends pas. Et ils sont contents. Le duc et la duchesse? Oui. Très, demandez-leur. Oh, ils sont ravis. Ils se regardent tout le temps, tout nu devant la glace. Et le duc dit à la duchesse, t'as vu quel bel étalon je suis? Et la duchesse est bien contente. Des aristocrates de cette classe, pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est tout pour aujourd'hui, docteur. Oh, quelle journée, je suis épuisée, je dois avoir une tête, je dois avoir 100 ans. Pas du tout. Oh, taisez-vous, j'ai l'impression d'être ma grand-mère. Oh, qu'est-ce que vous racontez? Regardez vous-même, Catherine. Ouais. C'est pas si mal. C'est merveilleux, la science. Le peignoir, chérie. Chut. Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu, s'il te plaît, me passer le peignoir? Mille fois merci. Mais c'est pas possible, ça, tu vas pas taire. Tu vois bien que j'ai une touche, non? Oui, oh, bah tu sais, moi, la pêche. Alors? Évidemment, c'était trop de demander de prendre ton bain à 9h, hein. Alors que tu sais bien que c'est entre 6 et 9 que c'est le meilleur moment. Tu permets? Ce sont aussi mes vacances. T'as qu'à aller pêcher dans les cabinets si tu peux vraiment pas t'empêcher de martyriser le poisson. Oh, tout de suite les grands mots. Oh, bah t'es vraiment dégueulasse! Ah, dégueulasse, j'appâte, c'est tout. Si tu faisais pas fuir le poisson en pâtant genre dans l'eau, je serais pas obligé d'appâter comme un smeur. De toute façon, t'as jamais rien pris. Oh, j'en ai un. Et c'est un drôle. Et moi, comment je m'essuie pendant ce temps-là? Passe-moi l'épuisette, vite. D'accord. Mais le peignoir d'abord. Oh, putain de merde, passe-moi l'épuisette! La fille va casser! Et moi, je vais m'enrhumer! Ben, faut pas vous gêner, vous. Eh, la baignoire est à tout le monde, monsieur Stache. Oh, elle est incroyable, celle-là. Bon, on peut dire que vous manquez pas de culot, alors. Eh ben, lui, il pêche bien, vous dites rien. Et en plus, il en attrape, le salaud. Ben oui, mais enfin, lui, c'est mon mari. Ah bon? Ah ben, moi, ma femme, je la laisserai pas se mettre à l'eau quand je suis sur un coup. Hein. Oui, ben, ça va, ça suffit, vous deux. L'épuisette, bordel, l'épuisette. Bon, voilà. Attention, vous le ramenez doucement, là, voilà. Encore un peu, et hop. Ah, voilà le travail. Ah, je dirais, moi, c'est une... Ça, c'est une truite de 3 litres. Ah oui, mais c'est étonnant que vous l'ayez pêché là-dedans, hein, parce qu'en général, la truite, ça n'aime pas l'eau savonneuse et encore moins le shampoing. Hein. Je peux peut-être la voir maintenant, mon peignoir, oui. Oh, superbe! Vraiment superbe! Et vous êtes monté gros? Oh, suffisamment pour ce que je tire. Hein. Je rêve. Chambre 12, alors rien! Alors pas une touche. Hein. Oh, ben nous, ça a été pareil toute la matinée, chambre 122. Ah bon?
Par contre, il paraît qu'ici, il en a pris un comme ça. En plus, sa femme est dans l'eau. Mon peignoir! Tiens, tu l'entends? André, mon peignoir, j'ai froid! Et pourquoi il lui donne pas son peignoir? Et pour pas qu'elle sorte de la baignoire. Il paraît que c'est elle qui attire le poisson. Oh. Ben alors, on y va! Hein? On va où là? On y va! Quand le téléphone ne sonne pas, ça ne sert à rien de le laisser brancher. Alors, qu'est-ce qui dit le contraire? Réclame, ça c'est réclame. Quand vous allez dans votre banque, vous retirez des billets de 200 francs. C'est bien. Mais pourquoi ne pas demander des billets de 500 francs? C'est beaucoup mieux. Regarde. Avec 200 francs, vous pouvez acheter ça. Avec 500 francs, vous pouvez acheter ça, plus ça. Alors, n'hésitez plus. Demandez des billets de 500 francs. N'oubliez pas, 500. Anne-Françoise, un anus trop artificiel pour être honnête. J'adore manger les nouilles avec les pieds. Alors, t'as ton membre qui dépasse. J'aime quand Roger fait la pieuvre autour de moi. Quand vous me parlez, j'ai des gaz. Lionel, t'as mangé du saucisson à l'ail ou quoi? J'adore quand Roger fait la pieuvre autour de moi. C'est à vous, ce slip? Tiens, si j'allais faire pipi. Alors, t'as ton membre qui dépasse. J'aime les petites tentacules de Roger. Paul-Henri, lave ton nez et on voit pas ta bouche. Il en a partout, des tentacules, Roger. J'ai un grand-oncle du côté de maman qui a une bite énorme. C'est normal que j'aime quand il fait la pieuvre. Je reprendrai bien de cette merde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez bien tout ce qu'on vous a dit. Et surtout ne soyez pas étourdis. Pour réussir en société, société, il faut savoir comment parler. Bonjour, monsieur. Bonjour, Ruth. Appelez-moi le directeur. Entrez. Monsieur m'a fait appeler. Oui. Un rat crevé dans mon thé. Certainement, monsieur. Non, non, non. Il y est déjà. Regardez vous-même. Vous vous rendez compte? Dans un palace. Un rat crevé dans mon thé. Monsieur doit réaliser qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que ce rat soit crevé, puisqu'il a été ébouillanté. Eh ben, n'empêche qu'il y a un rat dans mon thé. Monsieur, était-il vraiment la certitude d'avoir vu un rat? J'ai eu, quant à moi, l'impression d'un gros mulot. Bon,
Mettons un gros mulot. Et alors, qu'est-ce que ça change? Oh, un autre jour, cela ne changerait rien. Mais aujourd'hui... Quoi aujourd'hui? Que vous allez me chanter encore? Ben justement, c'est la Saint-Bruno. Et alors? Oh, monsieur ne va pas me dire que quand il était petit, il n'a jamais fredonné avec ses camarades. À la Saint-Bruno, mon coco, il y a un gros mulot qui joue dans ton thé, mon curé. Oui, ben non, je ne sais pas... Tenez, venez, c'est l'occasion. Si. À la Saint-Bruno, mon coco, il y a un gros mulot qui joue dans ton thé, mon curé. Rien d'autre, monsieur? Non, ça ira. Ça ira crever. Ah oui, ça ira. Bah, bien sûr. Je vous... Je l'aurai un jour. Je l'aurai. % des accidents sont provoqués par l'alcool. Ça veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. Énorme. Hep, Alfred ! Alfred ! Hep, hep ! Alfred ! Alfred ! Hep, 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 hep ! Alfred ! Madame ! Qu'est-ce que j'ai appris, Alfred ? Vous allez être le premier homme à mettre le pied sur la planète Mars. Il est vrai que l'on m'a fait une proposition de ce genre. Seulement, lorsque j'ai demandé à faire un petit détour par Jupiter, où il me reste encore un peu de famille, j'avais l'air de demander la Lune. Total, ils partiront sans moi. Oh bah vous avez bien raison. Alfred, Alfred ! Voilà, voilà ! Moi, j'aurais fait pareil. Soyez pas là chez vous. Bonsoir, gentil John. Bonsoir, ravissante Tali. Bonsoir, les pauvres. Bienvenue à... Soyez palace chez vous. Ah, le jardin à la française. Il y a longtemps que vous en rêvez d'un jardin à la française. Oui, la nature maîtrisée, taillée, redessinée au goût de Louis XIV. Le gazon en arabesque, le géranium dansant avec la rose, le menuet des parfums délicats, tandis que le buis et l'aubépine s'épousent en damier à l'ombre majestueuse d'un chêne centenaire. Hein? Ah, le jardin à la française. Que ne donneriez-vous pour avoir un jardin à la française? Seulement voilà, vous n'avez rien. Et comme vous êtes paresseux, radin et pas très malin, bah, ça risque pas de s'arranger. Est-ce une raison pour faire une croix sur le jardin à la française dont vous rêvez? Bien sûr que non. Grâce à John et à Tali, on peut toujours être palace chez soi. Vous prenez la boîte de potage aux herbes que vous utilisez pour faire votre soupe du soir. Ou de la sauce aux épinards, ou du concentré de tomates, ou du dentifrice à la chlorophylle, ou des suppositoires à l'eucalyptus. Ou la pâtée de votre chat aux carottes. Vous déblayez bien proprement un petit coin de votre moquette. De préférence, celui situé le plus au sud de votre deux pièces. Ou, si vous n'avez plus de sud parce que vous ne payez pas votre loyer, du côté où le lavabo du voisin fuit. Voilà. C'est le moment de planter à la française. Rien de plus simple. Vous mettez un disque classique, Lully de préférence, et vous vous mettez à danser le menuet sur place avec votre femme, votre mère, votre chat, ça n'a aucune importance d'ailleurs, ce qui importe. C'est de bien appuyer en rythme sur les tubes et de tenir à bout de bras les sachets de potage. Environ 30 secondes de danse par mètre carré de jardin. Ici, nous avons donc eu besoin de 17 secondes de danse. Et voilà, vous l'avez, votre jardin à la française. Ça, c'est palace. À bientôt, les fauchés. Oh, c'est mignon de Tali. Comme vous avez bien semé. Tenez, je suis sûre que c'est vous, ça. Oh, c'est divin. Les suppositoires, oh, c'est bon. Oh, c'est chou, Tali, ça. Tali. C'est chou, dit. Oui, ça. Vous n'aimez pas? Ça, c'est tout droit. Hey. Hey.
Monsieur, je... Monsieur le directeur. Oui, qu'est-ce que c'est ? Que personne ne bouge ! C'est un détournement ! Qu'est-ce que vous faites, là ? Non, mais dis donc, t'es sourd, tête d'orave ? Je t'ai dit que c'était un détournement. Un détournement ? Oui, mon pote. On détourne ton palace en guinguette de la Marne. De la Marne ? Tu connais pas ça, cul doré ? Eh ben, va falloir t'y faire. Karl, il est des nôtres ! Il est des nôtres ! Il a bu son verre comme les autres ! Encore une fois ! Il est des nôtres ! Alors maintenant, cul doré, tu prends ton téléphone et tu appelles Tourisme International. Allô, Tourisme International ? Oui, c'est Monsieur Lox. Du Palace ? Oui. Oh, ça va, ça va, ça va. Et vous, ça va ? Je ne sais pas quoi leur dire. Tu leur racontes tes problèmes ? Nous venons de nous faire détourner. Non, non, pas retourner. Détourner, oui. En guinguette de la Marne. Max, lève ton coup de ginette. Lève ton coup de ginette, bois ton verre, Gaston. Nom de Dieu. Ça te suffit ? Oui. Oui, je vous en supplie. Arrêtez de torturer ces pauvres gens. Qu'est-ce que vous voulez ? La libération immédiate de la chambre 124 au Carlton, à Cannes. La chambre 124, vous dites ? Ça va, fais pas le naïf, tu veux ? La plus grande, la plus belle. Celle-là avec la terrasse, le petit jardinet et puis la grande salle de bain. Tu vois ? Celle qu'on peut jamais avoir parce qu'elle est occupée par des Américains. Oui, mais enfin, tous ces pauvres innocents n'y sont pour rien. Ta gueule ! Bon, alors toi, écoute-moi bien maintenant. Dans une heure, Madame Zoutine, tu notes ? Oui. Zoutine et ma belle-sœur, Madame Truffard, arriveront avec leurs enfants et leurs bagages au Carlton. Elles demanderont la chambre 124 à la réception, à 12h16 exactement. Si elle n'est pas libérée, ici, on fait bouffer des frites grasses à tout le monde, tous les quarts d'heure. Et on joue de l'accordéon jusqu'à plus soif. Non, pas de l'accordéon au palace, ils supporteront pas. Et nous, crevards, est-ce que tu crois qu'on supporte que la plus belle chambre du Carlton soit occupée depuis des années par des Américains ? Alors, gomme, les Américains ! Je sais bien. Je sais bien. Écoute, au lieu de pleurnicher, tu ferais bien de secouer ta grosse viande. T'as déjà plus que 55 minutes pour faire libérer la chambre. Sinon, après ici... C'est merguez et java. Fidèle, le barbecue, au milieu du hall. Ah, les monstres. Ils ne sont jamais allés jusque-là. Jamais. À Vittel, ils ont forcé le concierge à raconter des histoires belges devant un groupe de milliardaires bruxellois. Il y a 2 ans, à Deauville... Ils ont organisé un concours de paix dans le grand salon du Royal Palace, mais... Malgré la syncope de la duchesse de Courteil, vous n'avez pas cédé. Oh. Nous ne libérerons jamais la chambre 124 sous quelque menace que ce soit. Alors ne vous plaignez pas s'ils en arrivent au détournement. C'est l'escalade. Écoutez, Joyons, je ne sais pas si au groupe Action et Pognon, vous avez pour politique de vous déculoter devant la menace, mais nous pas. J'espère que vous avez un pantalon bien accroché, Larry. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va grimper haut. Très haut.
malade, ce Vicarlton, ici. Chambre 124 réservée jusqu'à fin août. Impossible de la libérer. Il refuse. Champignon, plan plan. La 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 la. Alors la vieille, t'es toute pâle. Tiens, bois un petit cougnole, ça te mettra du rouge sur la tronche. Monsieur, je vous en supplie, que vos hommes épargnent les femmes, surtout Madame Suskine Valdez. Chaque fois qu'elle entend une vulgarité, elle a une poussée de diarrhée. La chiasse. Ah, la chasse, madame. Il a dit la chasse, pampan le faisant, la chasse. Ah, ce n'est pas vulgaire, une chasse. Laissez-la aller aux toilettes. Sinon, elle va encore me saloper tout mon carrelage, là. Carl, emmène la vieille au yacht. Au yacht, madame. Il a dit au yacht. Vous allez au yacht. Elle a de la chance. Elle va sur son yacht, le beau yacht, sur les flots, le yo-yacht. Elle va au yacht, elle va. Allez! C'est ça, votre palace, Armand? Attendez, Brigitte. Attendre quoi? Que vous me montriez aussi votre château? Il doit probablement être un bistrot pour routier à Montrouge. Brigitte, je vous assure. Encore! Tout est fini, Armand. Brigitte! Encore! Vous me le paierez très cher. Brigitte! Brigitte! Stop! J'en peux plus. Je n'en peux plus. Allô, tourisme international? Ici Lox. Mais qu'est-ce que vous foutez, bon Dieu? Je viens encore de perdre un client. Ça fait 20 fois qu'on nous fait chanter « Viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens ». Oui, viens, Poupoule! On va crever, nom de Dieu! Libérez la chambre 124! Vite, dans 12 minutes, on nous fait danser la java. Vous savez ce que c'est que la java dans l'odeur du graillon, nom de Dieu! Et puis après tout, ils ont bien le droit de prendre leurs vacances dans la chambre 124! Elle est à tout le monde, non? Merci. Je vous demande une faveur. Allez-y. Est-ce que le duc et la duchesse de Vermont-la-Roche, que vous avez obligé à jouer à la belote, peuvent faire 10 minutes de bridge? Parce que j'ai peur que, nerveusement, ils ne tiendront pas le coup. Ok. Carl, tu soulages les tables de belote. T'arrêtes le pastis et tu verses une coupe de champagne. Merci. Sérieux. Les hommes peuvent désarmer n'importe qui, en moins de 8 secondes. Ils peuvent sauter en parachute, couler un navire espion, arrêter un char. Mais un accordéon, un bal populaire, une java... Eh bien? Ben, ils n'ont pas l'habitude, monsieur. Ils ne sont pas entraînés pour ça. J'ai bien peur qu'ils sabotent et que... Qu'ils fassent un carnage? Non, monsieur. Qu'ils se mettent à danser avec tout le monde. La java est entraînante. Mes hommes ne sont que des hommes, monsieur. La police est trop sensible à la musique, je l'ai toujours dit. J'ai calme. Alors? Leurs femmes et leurs enfants viennent d'arriver et sont à la réception. Le concierge essaie de gagner du temps. Qu'ils ne cèdent pas! Leur ultimatum se termine... En 3 minutes. C'est du chantage. Ils n'oseront pas. Oui. Et s'ils osent? Nous aurons sur la conscience l'élite de la clientèle hôtelière française, agonisant dans un bal musette, empoisonnée par de la nourriture de prolo. La fête de l'humain dans nos palaces, c'est ce que vous voulez? Non. On ne peut pas prendre ce risque, Larry. Il faut céder. Écoutez-moi bien, Soups. Si vous libérez la chambre 124, plus aucun client, qu'il soit américain ou non, ne sera en sécurité dans l'hôtellerie de luxe française. Au premier chantage, les chambres occupées seront libérées. Les réservations ne seront plus respectées. Les réceptionnistes vivront dans la terreur. Et
les quatre étoiles s'éteindront les uns après les autres dans le ciel de l'hôtellerie française. Et nous, fuite ! Nous disparaîtrons ! C'est ça que vous voulez, Soups ? Qu'est-ce que je dis à Cannes ? Non. La chambre 124 n'est pas libérée. Non ! S'il vous plaît, non ! Ils ont osé. Passez-moi le Carlton. Allez, on touche. Et on bouge tranquille. Et grouillons. Allez, madame. On touche. On touche, c'est... Pensez que c'est Mozart et que nous valsons. J'ai mal au ventre. Attends un peu. C'est malade. On est vraiment bien. Toucher. On est deux là. Allô, Françoise. Paul, ça y est, ils l'ont libéré. On est dedans. Tu vas voir comme elle est belle. On voit la mer de partout et il y a deux salles de bain. On va passer des vacances formidables. Arrive vite. On a gagné. Ils ont libéré la chambre 124. Jacqueline et Françoise, ils sont avec les enfants. Ouais. Vous êtes tous libres. Ouais. Lucien, les valises de ces messieurs dames. Ah non, non, ça, vous êtes gentil, je vous en prie, ça va très bien laisser. Ah non, laissez. Maintenant que vous nous avez libérés, nous sommes à nouveau dans un palace. Lucien André. Veuillez accompagner ces messieurs dames jusqu'à un taxi pour Orly, direction Nice. Au revoir et merci. Tu vois, Alexandre, si t'avais eu des couilles, on aurait réussi à l'avoir, nous aussi, la suite royale. Champagne en terre.